C'est le nouveau! Bienvenue à bord! Ça risque d'être un peu dangereux. Super! Le danger, c'est toute notre vie. Commençons avec une puissance à 50%. Ça devrait limiter les brûlures et autres lésions tissulaires. Eh! Si tu dois brûler des tissus, fais ça sur le nouveau. Pas sur Ray. Notre prêt est à son nom, tu vois. Je pense qu'il a raison. Comment tu t'appelles, gamin? Pas de nom, Ray. Je ne voudrais pas m'attacher au gamin. Tu sais, on ne sait jamais. Tu te souviens de ce qui est arrivé au dernier? C'est bon, il est prêt à partir. Ça va peut-être piquer. Bien, on a mis au point un programme complet qui va te permettre d'apprendre les fonctions de base de ton équipement. Il faut du temps pour maîtriser la technique de lancer ultime, mais tous ces efforts en valent vraiment la peine. C'était nous? Je ne crois pas. Ouais. C'est sûrement une sorte de flux d'énergie psychique. Impressionnant. Une très intense convulsion nécromantique de niveau 7 ou plus. Exact. Il nous faut un relevé de CEM maintenant. Je connais déjà la réponse, mais je vais vous demander quand même. Le niveau 7, c'est plutôt mauvais ou
très mauvais. Sur une échelle de 1 à 10, disons. Attends, c'est un 7, pas vrai? Disons qu'on va avoir du pain sur la planche. Et ce n'est pas vraiment le genre de pain auquel je pense. C'est ça, Ray? Attention! Bouffe tout, s'échappe encore! Non, attendez, revenez. Quoi? On se bouge. Joli. La guerre est finie. Tu rates une occasion. Le voilà. On dirait que l'unité de confinement l'intrigue. Elle l'a toujours fasciné depuis que tu y as ajouté une visionneuse. Bien, à toi le nouveau. Je vais te guider. Utilise le rayon à protons pour attirer son attention. Non, pas l'unité de confinement. C'est du matériel très sensible que tu désintègres, petit. Oh, t'en as fait sortir un. C'est ma faute. J'ai ajusté le point interspatial, cet après-midi je vais le réparer. Vous, vous éloignez ces fantômes. Il est au deuxième sous-sol, et son ami Fuyard est avec lui. Allez petit, on a du boulot pour toi. En prenant des précautions, Bouffetou est inoffensif. Plus ou moins. Et j'en suis pas sûr pour l'autre. Parfait. Allons les chercher. Ah, et puis ne t'en fais pas pour l'unité de confinement. On s'emporte facilement la première fois avec le rayon à protons. Egon va le réparer. Avant toute chose, et avant qu'on perde tout contrôle, tu dois connaître ton pack à protons. Il peut être ton meilleur allié sur le terrain. Tout ce que tu dois savoir est sur le pack. Ici, tu peux surveiller ta condition physique. Plus il y a de verre dans la jauge, plus tu peux recevoir de dégâts avant de t'effondrer. Cette jauge indique la température du pack. Si elle est pleine, pense à refroidir ton pack pour éviter qu'il s'éteigne temporairement. La plupart du temps, capturer un fantôme n'est pas compliqué. Il y a 3 étapes à suivre. Affaiblir, capturer et piéger. Les entités spectrales tirent leur force d'une accumulation d'énergie PK. Le rayon à protons ou d'autres armes permettent d'épuiser cette énergie. Épuiser leur énergie PK facilite aussi leur capture. Tu tires comme un sable, petit! Tu vois cette indication sur le fantôme? Elle affiche l'accumulation d'énergie actuelle d'un fantôme. Plus tu l'épuises, plus il est faible. Le pack est dans le rouge, petit! Refroidis-le! Oh, on a perdu Bouffetou! Ici! Et moi qui trouvais que Bouffetou était dégoûtant. Super, tu l'as bien appétit. Étape suivante, le capturer. Tu peux tirer une flèche de capture manuellement avec ses contrôles. Par contre, le pack détecte quand un fantôme est assez affaibli et passe alors automatiquement en mode capture. Vas-y, attrape ce tas de slime avec ton effluve de capture. Génial, tu l'as. Dès que le fantôme est capturé, la jauge d'écrasement commence à se charger. Si tu veux qu'elle se charge plus vite, tire le fantôme dans un sens et dans l'autre avec l'effluve de capture. Bien ce que tu vas faire. Observe le fantôme. Quand il part dans une direction, tire-le vite dans l'autre direction. Essaye. Et voilà. Parfait. Et alors, ça te plaît, mon beau? Quelques écrasements peuvent passer dans le spam par n'importe quelle entité. Écrase-le. Yeah.
Passons à la troisième étape, le piéger. Il va avoir besoin de place pour ça. Et voilà! Parfait! Tu vois le témoin lumineux quand le piège est fermé? Ça permet de le trouver quand c'est la pagaille! Quand un fantôme pouvant être capturé à ta proximité, le piège s'ouvre automatiquement. Pas de quoi, Titi! Le cône de capture va le piéger! À gauche, à droite, petit! Et voilà! Super! Un fuyard de moins! Oh, et n'oublie jamais de récupérer le piège. Vous les avez? Un sur deux. Bouffetou s'est échappé. Mais la recrue a attrapé son premier poisson. Une belle prise! Oh, et évite de croiser les effluves. En fait, non, hein. Ne croise pas les effluves. Sérieusement? Et ça fait un mal de chien! Hé, hey, pourquoi c'est toujours à lui qu'on donne les nouveaux trucs? C'est notre technicien pour matériel expérimental. Et il a aussi droit à un super nom? Un nom qui signifie qu'il doit transporter tout un tas de matériel non testé et extrêmement dangereux qui peuvent lui sauter à la figure à tout moment. Ah, c'est lui qui sculptine les prototypes super dangereux qui pourraient éventuellement nous sauter à la figure? Merci. Garde ton nom, gamin, c'est un beau travail que tu fais. Scooter, faut y aller, en avant. Je suis prêt. Où ça arrête? L'hôtel Sedgwick. C'est le premier endroit où ira ce goinfre. Oui. Retour à son premier lieu d'apparition. Leur buffet est délicieux. C'est vrai. Quand Winston reviendra de l'opéra, invitez-le à nous rejoindre pour souper au Sedgwick. Hé, toi, c'est ton tour. Tu vas pouvoir faire tes preuves ce soir. Mais essaie de ne pas tout détruire à Manhattan. Ça, c'est notre travail. Cette horreur verte fait des ravages au 12e étage, encore une fois. Je veux qu'on me rembourse. Relisez les clauses de notre facture, monsieur. De nos factures. Oui, de nos factures. Vous verrez que notre garantie anti-réapparition a expiré. Vous auriez dû renouveler ce service longue durée. Je détecte des pics d'énergie intéressants ici. Il n'y a pas qu'au 12e étage qu'il y a des perturbations. J'aimerais faire le tour du bâtiment. Bien, trouve ce que tu peux. Le petit glouton vert ne devrait pas nous poser trop de problèmes. Ils nous ont déplacés dans une suite d'angles. Cet étage me donne vraiment la chair de poule. Eh bien, bonjour. Vous n'avez plus rien à craindre, mademoiselle. Les chasseurs de fantômes sont là. Du vent, minable. N'y pensez même pas. Cette approche marche rarement avec moi. Je te montrerai pourquoi plus tard. Bien, prépare-toi à la terreur. Docteur Stans, me ferez-vous l'honneur? Avec plaisir, Docteur Venkman. Notre nouveau contrat avec la ville stipule qu'on ne doit pas utiliser le pack à protons dans les zones très fréquentées. Pareil pour les lieux clos. Ça minimise la responsabilité de la ville et ça respecte les mesures prises contre nous. Dans quel monde vivons-nous? On tire un vague effluve de protons chargés en particules sur quelqu'un et on se fait attaquer. C'est lui! Oh. Ne tire pas trop vite. Il faut savoir prendre son temps, parfois. Ça vient, champion. Un peu de patience, le temps que ton accélérateur dépolarise. Qu'est-ce qu'il y a? Ça avait l'air douloureux. Ça va? Par là! Attention! Contact! Bien, que le spectacle commence. On le fatigue, puis on le capture. L'effluve à protons est fait pour ça. Tu l'as fait fuir! Allons-y, Peter!
Non, je sais comment ça finit. Mais allez vous amuser tous les deux. Je vais couvrir les ascenseurs et escorter les dames jusqu'à leur chambre. Ouais, ok. Et ce signal ressemble à ta petite entité insaisissable. Ton psychotensiomètre clignote et bip quand il détecte un signal potentiel. Les paralunettes sont liées à ton psychotensiomètre. Elles te permettent de voir des phénomènes normalement indétectables. Des traces, des auras, toutes sortes de super manifestations. Quand la jauge centrale grimpe, tu vas dans la bonne direction. Quand elle est à plat, la piste est froide. Maintiens la cible dans le plus petit cercle pour un meilleur scan. Ok, c'est bon. Fais un scan. Bien joué! Le rouge indique un fantôme caché. Le vert indique une anomalie environnementale et paranormale. Le bleu indique un échantillon actif. On chauffe. On se rapproche. Attention. Faire un bon... Attention. Waouh ! Il était ici, c'est sûr. Un échantillon actif est quelque chose que tu peux collecter comme un artefact maudit. On reçoit une prime pour chaque scan et collecte. Et on utilise ces primes pour la recherche et le développement. Les fonds supplémentaires nous permettent d'essayer de nouveaux équipements. Et au final, c'est toi qui les essaies. Souviens-toi, tu peux revoir les techniques, les didacticiels et l'équipement dans ton manuel SOS Fantôme, accessible via ton psychotensiomètre. Ray ! Je me sens pas bien! Peter, réponds. Ça va? Oh! Homme à terre! On a un homme à terre! On y va! Allez, secoue-toi! Tu peux aller plus vite, non? Accélère, petit! Il s'est fait recouvrir de slime! Encore! Va vite l'aider, tu veux bien? Comment ça a pu arriver? Je couvrais les ascenseurs et... Ce Stromboli mutant m'a pris par surprise. Ah, je suis tout collant. Un pour tous et tous pour un. C'est une question d'équipe, comme les mousquetaires. Oh non, mon ami. Ça, c'était avant l'époque du slime. Aujourd'hui, c'est l'heure des comptes. Les gars, descendez vite. Notre petit copain est en train de ravager le hall d'entrée. Et il n'est pas seul. D'autres fantômes? Mais on a nettoyé cet hôtel il y a 5 ans. Des gens meurent tous les jours. Appelle l'ascenseur, petit. Ok, Bouffetou, assez joué. On ne touche pas à l'ascenseur. Egon, réponds. Je crois qu'on est coincé dans l'ascenseur. On aurait bien besoin d'aide. Tu penses qu'on est coincé? Voyons. On est coincé, on est coincé, on est coincé. Ok, bon. Je nous déclare officiellement coincé, Ray. Tout le monde est d'accord? Quelque chose vient... Allume-le, Ray! Besoin d'un coup de main? Tu me fais faux bond à chaque fois, Ray. Laisse tomber la bonne pour l'instant! Le fantôme au chapeau rouge résiste à la stase! Bon sang, c'est un groom! Donne-lui un pourboire! Thank you.
Ils arrivent! Vise! Oh! File-moi un coup de main pour celui-là! Hey! Absolument! Cette onde psychocinétique convulsive a vraiment tout retourné! Bon sang, ce hall est une ruine! Vous voulez pas appeler Winston et lui dire que sa soirée libre est terminée? Il y en a d'autres! Ils se sont séparés! Ray, avec moi. Les autres remontent. Venkman et le bleu, vous piégez notre bouffetou aussi vite que possible. Ces fluctuations massives indiquent que ce n'est pas un exercice de routine. C'est un tyran quand il manque de sommeil. Hey, il y a du jambon glacé au miel et des côtelettes. Là, la salle de bal à l'Alhambra. Impossible qu'il l'ait manqué. Non, vous ne pouvez pas entrer ici. La bar mitzvah de Rodriguez commence dans une demi-heure. Je parie que la poitrine de bœuf est bonne. Et vous en avez déjà fait assez. Je suis sûr que cette chose s'en ira. Je veux prendre le risque. Vous ne pouvez pas entrer. C'est tout ce qu'on voulait entendre. On s'en va. Allons prendre un café. Nos services ne sont pas les bienvenus au-delà de cette limite. On dirait que l'Alhambra nous est interdite. Mais comment donc ? On ne peut slimer Pete Venkman deux fois et s'en tirer. Prudence, souviens-toi de l'incident d'Elisa Iman. T'as apporté ton tablier ? On va prendre un raccourci par la cuisine. L'Alhambra doit être derrière cette porte. Y a quelqu'un ? Chef ? Monsieur le cuistot ? Ok, champion. Tu passes devant. Bon, ne touchez pas le slime. C'est gluant et c'est très dangereux. Tu te dis sûrement que je devrais y être habitué. Pas de quoi s'inquiéter. La plupart des cuisines ont des veilleuses automatiques. Attention! Ok, ok. Tout sauf le lavabo de la cuisine. Je mange directement dans la boîte. Ouais, écoute, pour le piéger, tu dois l'attraper. Et pour l'attraper, tu utilises l'autre fonction de ta lance à neutrons, l'effluve de capture. C'est tout. Tu n'as plus qu'à laisser le foutoir derrière toi. On n'est pas là pour nettoyer.
bizarre, je pensais que ce type avait dit la bar mitzvah de Rodriguez. Le voilà. Ça le tuerait de manger une salade de temps en temps. Je te couvre. Allume-le jusqu'à ce qu'il soit étourdi. Puis utilise ton épée de capture. Super! C'est ça, mon pote. Tu as réussi à l'essouffler. Bravo! Maintenant, immobilise-le. Tu dois pouvoir le faire descendre. Quand il sera fatigué, tu pourras le coller dans ton piège. Le piège est prêt! Tu y es presque! Amène-le, le piège s'occupera du reste. Parfait! Bien joué! Oui, mon pote! Ça apprendra à cet effronté visqueux à me couvrir de slime. Et par extension, à te couvrir de slime. Quelques couverts sont de travers, mais je crois que tout est prêt pour le grand événement. La salle de bal à l'Ambra, la bar mitzvah, qu'avez-vous fait? Les invités arrivent dans 15 minutes! C'est quoi votre problème? Grâce à moi et à la recrue qu'on m'a confiée, les festivités peuvent maintenant se dérouler dans un environnement garanti sans fantômes. Alors profitez-en. Et pour les Rodriguez, les Haim, de la part de SOS Fantômes. Sympa de vous joindre à nous, les gars. T'as attrapé le petit gluant ? Ray. Il va falloir discuter sérieusement avec ce bonhomme. Ou crois-moi, sa crise d'adolescence ne va pas être belle à voir. Ah ! Ton initiation est terminée. Donne-nous un coup de main maintenant. On a quelques esprits très persistants par ici. Ah ! Belle capture ! Tu commences à attraper le coup. Bravo ! Ils arrivent! Oh. Ah, ça fait du bien. Même équipe! À droite! T'arrêtes pas, hein! Attention! À gauche! Contact multiple! Capture exemplaire! Oh. Ah. Attends une minute. Ok, équipe de capture activée. Bien joué. Ouais, c'était du gâteau, non? Qui va payer pour tout ça? Ne vous en faites pas, monsieur.
Comme vous le savez, le maire a été élu grâce à une campagne pro-SOS fantôme. Nous lui facturons maintenant toutes les captures et éliminations. Un New York sans fantôme attire plus de touristes. Non, pour les dégâts! Le maire et la ville ont également souscrit à une police d'assurance complète. Donc, vous êtes couvert. Je ressens comme de l'hostilité ici. On peut peut-être laisser les fantômes ici, si vous préférez, monsieur. Non! Non, mais je vous en prie, soyez discret. Discrétion est notre second prénom à tous. Attention! Waouh! D'où est-ce qu'il sort? On devrait le suivre, sauf si tu as envie d'en parler d'abord. Le Bleu, va avec Dr Spengler. Occupe-toi du type en colère.